avec les gens et je dis souvent qu'il est possible de changer les mentalités. Il y en a qui ne sont pas très optimistes. Mais je pense qu'une des valeurs pédagogiques pour amener l'ensemble du peuple et notamment l'administration publique est celle de l'exemplarité de ceux qui ont la charge de l'État. Je serai, si mes compatriotes me font confiance, ce président qui prêchera, qui dirigera, en mettant en avant la valeur d'exemple. Je pense que notre pays regorge de ressources humaines de qualité. C'est certainement le leadership qui est un leadership qui ne me satisfait pas et qui fera que, si ce leadership par la valeur d'exemple est engagé, je pense que les forces vives de notre pays pourront faire éclore le génie qui sommeille dans chacun des Congolais. On ne pourra jamais rien faire dans ce pays si nous ne construisons pas la paix, si nous n'apaisons pas les Congolais, si nous ne les réconcilions pas, si nous ne les rassemblons pas. Et moi, je me suis fixé comme objectif d'appliquer ce triptyque, apaiser, rassurer et rassembler. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays. Thank you.